Bonjour, je suis Idriss Kallos Kameni, international camerounais. J'évolue en Europe et pour moi c'est une fierté de retrouver cette terre, le mythique terreau qui nous a bercé durant toute notre enfance et qui nous a permis de devenir des hommes et des footballeurs que nous sommes aujourd'hui. Donc toujours ému de retrouver mes aînés, ceux qui m'ont encadré depuis mon enfance, qui m'ont permis de faire mes premiers pas, de grandir et de me forger comme sportif. Et aujourd'hui, on se retrouve pour passer un moment qui, ma foi, va être agréable et chaleureux. Et je suis vraiment très touché. Et tout ce que je peux dire, que cette première édition soit le début d'une très belle et grande aventure. Allez, ciao. Bon, voilà, après ce jour à Leipzig, à Saarbrück, à Göttingen, en passant par l'INSEP, je me retrouve dans l'Olympique Lyonnais, où j'ai passé pratiquement 7 ans. Quand vous sortez du métro de Gerland, vous apercevez la boutique de l'OL. Vous regardez sur la grande maquette. Là est Gomis. Regardez juste à côté de lui. Qui lève le doigt? C'est bien moi. Alors, je me retrouve sur la Terre Rouge. Vous comprenez que déjà j'ai un obstacle. Déjà, je sors de là où il fait excessivement frais. Nous sommes en hiver de l'autre côté. Et j'atterris, je tombe sur 45 degrés à l'ombre. Et la Terre Rouge, bon, c'est vrai que je suis parti d'ici. Après, je me suis retrouvé sur du gazon synthétique. Je reviens encore à la Terre Rouge. Vous comprenez que il me faut quand même quelques temps pour m'adapter. Voilà. Mais d'ici là, je crois qu'en 5-10 minutes, je pourrais m'adapter et puis les choses iront à merveille. Je suis donc le commandant Chungong. C'est nous qui avons commencé à jouer ici depuis plus de 30 ans. J'ai donc le surnom de Careca, l'attaquant vif du Brésil dans les années 86. Donc nous sommes là pour un jubilé de fin d'année. C'est vraiment de gaieté de joie qu'on se retrouve là. Moi, c'est Nguette Thierry, Blaise. Et à l'époque, c'était Thierson. Je remercie le bon Dieu qui nous a réunis ici aujourd'hui. Et qui nous fait rappeler nos anciens souvenirs, nos anciens camarades, parce que beaucoup n'en sont plus là. Et on est content d'être là et de se revoir après une vingtaine d'années. Je dis merci à Souché, je dis merci à tous ceux qui sont venus pour que l'événement soit grandiose et qu'on essaie de combattre. Je dis merci aussi, je salue Yannou. Sur ce, je vous dis merci. Sylla Tom Leonard, alias Filippo Inzaghi, meilleur buteur de toute l'histoire de Casse aux Terres Rouges, venu encourager l'initiative créée par le célèbre Souché. Content que cette initiative puisse prendre forme et que l'année prochaine soit une autre occasion de se retrouver et de partager la joie d'avoir évolué sur ce beau stade qui a formé Idriss Kallos Kameni, André Onana et j'en passe. Donc je suis venu apporter ma modeste contribution à cette initiative. J'en ai terminé, merci. Bonjour, moi c'est Tomba Peggy, beaucoup plus connu sur ce stade sous le petit nom de Mostovoy, gaucher. Entre autres, moi je suis entrepreneur et basé à Yaoundé. Je ne peux pas finir ce propos sans remercier particulièrement un de nos petits frères qui a toujours pris cette initiative de nous rassembler. Et nous nous sommes dit à un moment donné, il faut qu'on lui donne un coup de main aussi. C'est le petit frère Carlos qui a bien voulu être présent à cette cérémonie d'aujourd'hui et que je remercie et que je salue au passage. Il a toujours fait un effort pour nous rassembler tous les festifs de Noël. Et puis on s'est dit, cette fois-ci, il faudra aussi que nous prenions les choses en main et qu'on puisse aussi l'inviter à participer à quelque chose que nous organisons. Et on vous promet que nous allons revenir chaque année. Ok, je suis Athanase Monglo, président d'ASCABO, ancien vice-président des différentes associations qui se sont relayées sur la Terre Rouge. On a commencé par m'appeler Oumarou parce que je courais comme un gars qui court derrière les bœufs.
Mais aujourd'hui, je suis Thierry Henry parce que effectivement, j'ai acquis un peu en technicité. J'ai commencé à imiter mon idole Thierry Henry. Et vraiment, nous saluons cette initiative de se retrouver. Nous espérons encore nous retrouver davantage pour qu'on ne perde pas ces valeurs que nous avons acquises sur cette terre rouge qui nous a vu grandir. Et sur ce, vraiment, je voudrais remercier les initiateurs, les organisateurs. Et puis, moi-même, je suis dans la danse. Merci. Moi, je suis Stéphane Galman. Aujourd'hui, professeur de lycée. J'ai joué ici, toujours sous le nom de Dessaï. Bon, je suis très content d'être là, de me retrouver avec des amis, des frères. Très belle initiative et j'espère qu'elle sera pérenne. Parce que se retrouver, c'est bien. Et c'est grâce aux hommes qu'on peut construire. Donc, merci beaucoup. Merci pour l'initiative. Moi, c'est Narcisse Kuititada. Je suis très content de cette initiative. Moi, je suis président d'une association sportive dans cette terre rouge qu'on appelle Achapo, Association sportive Chapelle-Obéli. Je suis maintenant fonctionnaire international, inspecteur principal du Trésor à la Banque mondiale. C'est une initiative qui est très belle parce que ça permet qu'on puisse retrouver des gens avec qui on a eu à jouer à l'époque, il y a peut-être 20-25 ans. Je peux que dire que cette initiative ne peut être que pérenne et doit perdurer pour l'avenir parce que sans une première édition, je crois que les autres éditions vont s'améliorer davantage. Je crois qu'on va bien s'amuser. Bye bye. Moi, c'est Olivier Nankam. C'est une fierté. Déjà, quand je suis arrivé ici, dès ma première année, j'ai commencé à jouer à la Terre Rouge. À l'époque, il y avait deux terrains. Il y avait un terrain un peu plus bas et un terrain du haut. Jeune que j'étais, les gens m'ont adopté et ils m'ont toujours appelé Olivier. C'est vrai qu'il y avait d'autres sortes de quais quand je jouais. Tous les soirs, on essayait un peu de satisfaire un peu la jeune population de Bonamou Sadi qui venait se régaler à travers nos gestes et notre façon de jouer. Donc voilà, et Souche et le grand Peggy ont bien voulu mettre sur pied un forum qui nous rassemble encore. Je veux rappeler que ça fait plus de 25 ans. Plus de 25 ans, vous voyez un peu la carrure des uns des autres, les ventres par-ci, le corps par-là. Donc c'est tout ce que je peux dire. Aujourd'hui, je suis entraîneur. Voilà, j'essaye aussi d'aider les jeunes à faire du football leur carrière d'une manière ou d'une autre. Je ne manque pas de donner des conseils aussi à mes amis qui sont là parce que je suis aussi professeur d'éducation physique et sportive. Donc voilà. Moi, c'est Thierry Tonan, je suis un ancien du Calcio. C'est vrai que je n'ai pas mis long dans à l'époque parce que j'ai dû voyager pour mes recherches. Et ici au Calcio, on m'appelait Thierry Baquero. Et j'ai été convié ici au Calcio par un ami Ben Aden à l'époque. Et c'est lui d'ailleurs qui me rappelle qu'il y a cet événement et qui m'inscrit d'ailleurs là. Donc c'est pour moi un grand honneur de revenir et de revoir ses aînés. Pour certains qui ne me connaissent pas, mais que j'ai connus ici parce que souvent je n'étais pas titulaire et je les voyais jouer. Et c'est pour moi un grand honneur. Et donc je suis fier d'être là, tout simplement. Moi, c'est le docteur Sob Mathurin, ancienne version de Bamenda. Le sobriquet sur ce stade, c'est Ben Laden. Ben Laden, de par mes petits tacles qui détruisaient un peu tout sur le terrain. Ça fait pratiquement plus de 15 ans que j'ai pas voulu sur ce stade. C'est un plaisir de retrouver et des anciens et tout ce monde dont je n'ai pas connu. Merci. Bon, je suis le colonel Blaise Mbouengapé, je suis à l'état-major des armées. Mon petit sobriquet actuel, c'est Majesté. Quand j'étais étudiant, je jouais contre les gars du Calcio ici, parce que j'étais de l'école de poste. Je n'ai pas évolué ici depuis 25 ans. Alors aujourd'hui, je crois que c'est les retrouvailles et ça va chauffer. Moi, c'est Pierre-Marie Kémigné de la grande équipe de poupées d'oxygène des années 90 par là. Donc, ça fait plus de 20 ans que je ne suis pas venu par ici. C'est vraiment un réel plaisir de retrouver les amis, de retrouver ce stade. Et le petit nom à l'époque, c'était PM. Donc, je suis très content d'être là. Merci. Je m'appelle Christian Dudjian Djomga, je suis avocat à Yaoundé au Cameroun. Je suis de l'épopée de 90, Ami Oxygène. Nous sommes des natifs de Bonamou Sadi et ça nous fait c'est un réel plaisir pour nous d'être ici aujourd'hui. Et je ressens une vive émotion lorsque je vois ma municité, juste à côté de Ministère Oxygène. Et c'est un plaisir pour moi de participer à cette compétition. Merci. Je suis Hot, ancien de Bins City. Moi, je suis parti d'ici en 96, donc je reviens aujourd'hui, ça fait plaisir, c'est une grosse impression. Bon, allez, bonne fête.
Bonjour, je suis Isa Richard Golessin, plus connu ici sous le nom de Bankole, et très heureux de me retrouver avec mes frères pour fêter notre 30e anniversaire. Ce stade nous a fait grandir et on y a fait beaucoup de merveilles, et on espère en faire encore aujourd'hui. Merci. Je suis Samuel Essamé, plus connu ici sous le nom de Ebes, ancien conseiller de la municipalité Oxygène, et celui qui s'est battu pour le retour de l'eau ici dans la zone de Bounam Sadi quand il y a eu coupure d'eau dans les années 90. Le calcio, c'est une partie de notre vie et 20 ans après, on est content de revenir. C'est un plaisir. Bon, je suis très content de me retrouver ici. Je suis arrivé dans ce cadre à l'université en 91. Je me suis inscrit en faculté de droit et sciences économiques, comme ça s'appelait à l'époque. J'ai passé beaucoup de temps ici. Quand on arrive comme ça, on a des souvenirs qui nous rappellent nos moments de joie et de peine ici à l'université. Dieu merci, on en est ressorti avec beaucoup de joie. On a eu beaucoup de chance dans la vie. J'ai eu la chance d'être entré à l'ENAM. Je suis aujourd'hui inspecteur principal des régies financières, sous-directeur au ministère de la décentralisation. Sur ce terrain, on m'a beaucoup plus connu par le nom de Diego, parce que je suis gaucher et dans les phases de jeu, apparemment, je ressemblais beaucoup à celui dont on m'a donné le pseudonyme. Donc, on m'appelait beaucoup plus ici Diego. Je suis très content d'être là. J'aimerais que ce genre d'événement se multiplie, mais qu'on soit prévenu un peu avant, qu'on s'y prenne un peu tôt pour que nous autres qui n'avons pas assez de temps, qu'on ait le temps de se préparer pour qu'on soit à jour le jour de l'événement. Merci bien. Je suis Léopold Fotso. On m'a toujours appelé sous le petit nom de Léo. J'ai vécu ici au Kradat pendant de nombreuses années, depuis 92, et j'ai connu beaucoup d'amis ici. Et l'impression que j'ai, c'est que c'est une belle initiative et je pense que cette initiative doit être pérennisée. Et je pense que chaque année, nous devrons organiser un match pour en mémoire, en souvenir des anciens potes du Calcio soir. Et pour rappel, je me souviens très bien qu'en arrivant ici, ça n'avait pas facile. Et il fallait commencer par le bas et remonter. C'est quand on était très fort en bas qu'on remontait. Et ce n'était pas toujours évident le début, parce qu'il fallait toujours jouer les mégots. Et au fil des temps, il fallait être bon pour intégrer vraiment le groupe entier. Donc sur ce, je vous remercie. Bonjour, je suis Patrice Tiendjou, je suis médecin. Ça fait des années que je joue dans ce calcio. Je suis très content de l'initiative qui a été prise de rassembler tous les anciens. On a commencé ici il y a de nombreuses années, plus de 20 ans, et c'est une très bonne chose d'avoir les retrouvailles. Donc à l'époque, on m'appelait Badjo, et je suis content d'avoir une autre opportunité de pouvoir, avec mes frères et amis, n'est-ce pas, célébrer ces moments qui permettent à chacun, n'est-ce pas, de pouvoir être heureux dans la vie, parce qu'on a partagé des bons moments avec ses frères et ses amis. Et je soutiens cette initiative, c'est une initiative qui doit perdurer dans l'avenir. Et allez, on va s'amuser. Good. Ici, c'est encore Sylvestre West, plus connu sous le sobriquet de Accident, Taribo West. Je suis très ému, n'est-ce pas, d'être ici aujourd'hui pour cette initiative qui a été, n'est-ce pas, développée comme dans les blagues par des amis. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, cela s'est avéré réel. Et je pense que, n'est-ce pas, nous devons, n'est-ce pas, encourager ces initiatives, non pas seulement pour le jeu qui nous a caractérisé ici comme camarades de classe, comme coéquipiers et comme frères, mais on devrait, n'est-ce pas, épanouir, ouvrir, n'est-ce pas, d'autres espaces pour, n'est-ce pas, un avenir meilleur pour nos enfants. Bonsoir, je suis Merlin Wengade, ancien de CE2-0. Ça fait plaisir de retrouver les anciens amis et grands frères. Je suis apparemment le Benjamin de ce groupe. Je suis ingénieur de télécom et réseau. Et vraiment pour moi, je suis fier de l'initiative que certains grands ont eue afin qu'on se retrouve de temps en temps. Et mon souhait le plus ardent, c'est que cet événement se pérennise, qu'on puisse le perpétuer dans les années à venir. Merci.
J'ai dit d'abord bonne année à tout le monde qui est venu. C'est une très grande fête de se retrouver comme ça avec les amis, les frères. Et ça nous fait encore la nostalgie d'enfance. Bon, j'ai décidé d'aller en campagne, en zone, chercher à nourrir les frères qui sont en ville. Donc je suis maintenant un agriculteur, je me suis formé dans l'agriculture. C'est dans ça que je fais. Attends, je fais un peu de ballon, c'est-à-dire le dimanche et le samedi, je fais le 1-0, je suis là. Bonjour, je suis le docteur Wadoum Fofo Chamberlain. Mon nom d'artiste ici à la Terre Rouge, c'est Bodhi, comme indiqué sur mon maillot. Il faut avouer que je suis parti d'ici depuis une vingtaine d'années. J'ai fait le tour dans les régions de la Damawa, de l'Ouest, et puis je suis revenu ici. Je suis actuellement directeur adjoint de l'Institut National de la Jeunesse et des Sports. Nous osons croire que nous allons fêter dans la gaieté ces retrouvailles et nous espérons que dans les prochaines années, nous allons organiser ces matchs pour aller à la rencontre de certains de nos frères et amis qui sont dans d'autres régions. Merci. Moi, je suis Souché Djemanous, entraîneur national de futsal, entraîneur de FAP également. À la formation de base, je suis promoteur commercial et gérant d'une entreprise. Voilà, j'ai été ému par l'acceptabilité de tout un chacun de mon projet, de pouvoir réunir tous ceux-là qui ont été présents ici-là à une certaine époque. Et aujourd'hui, c'est le comble de tout ce que ça a été. Et je ne peux qu'être content. Les perspectives, j'aimerais que ce soit pérenne, l'activité que nous avons aujourd'hui, parce que tout le monde peut retrouver tout le monde. Après une vingtaine d'années, ce n'est pas donné. On a des gouverneurs, on a des sous-préfets, on a des directeurs généraux, on a des directeurs d'entreprise, on a tout ce que ça peut comporter. Et aujourd'hui, des joueurs professionnels comme à l'instar du disque Carlos Kameni, et qui a honoré de sa présence à l'organisation de cette soirée. Et aujourd'hui, je ne peux qu'être content et vivement que ce soit pérenne. Et nous avons une pensée pieuse pour tous ceux-là qui étaient des nôtres au départ et qui aujourd'hui sont dans l'au-delà. Donc ce n'est que ma modeste contribution et que vivement que ça marche pour les prochaines années. Merci. Il est pas bien.